Là, je décide d'aller mon poste d'observation. Je suis en voiture encore et j'aperçois déjà quatre chevreuils dans la plaine. Je vais garer la voiture et pour que je puisse me mettre à mon poste d'affût. Je pense que j'ai le bon vent. Je suis dans des bonnes conditions. Bon, par contre, on est fin août. La lumière baisse très très vite et j'ai à peine 2 heures pour pouvoir tirer quelques images. Mais bon, bah, visuellement, ça se passe bien là. Bon, ça va se calmer là. Et au bout, ils vont se stabiliser. Je pense une fois j'aurai été à mon poste d'affût. Ça m'arrive des fois en poste d'affût d'avoir des chevreuils à 3-4 mètres de moi. Bon, je peux pas filmer parce que c'est beaucoup trop près, mais pour le plaisir des yeux, c'est formidable. Là, un petit brocart, une chèvre. Là, visiblement, elle rentre dans le bois, je vais essayer de contredire. Là, j'arrive sur la lisière de bois où que le chevreuil est rentré. Et je vais me diriger sur une souille à sanglier parce qu'on m'avait indiqué une souille à sanglier. J'avais déjà fait quelques repérages où j'avais vu déjà quelques passages de sanglier. Là, voilà, il se souille dedans et après il se frotte sur les arbres pour se déparasiter. Et je pense bien ce soir, j'espère avoir du sanglier. Mais là, j'entends des branches qui craquent. Je pense qu'il y a du sanglier qui est en train d'approcher. Voilà, ils vont venir se frotter certainement là. Ils ont l'habitude, mais c'est pas évident. Il commence à être très tard. Et le temps est très orageux. Je pense que je vais me prendre un orage sur la tête. Là, le premier sanglier. Et ça fouille, ça fouille, ça cherche les vers de terre. Ça mange beaucoup de vers de terre, les champignons, les glands, les chênes. Voilà. Ça, c'est style un petit peu le biotope où je suis en train de travailler. Mais là, l'orage m'a déjà bien mouillé. Je pense que je vais décider de revenir demain parce que là je suis trop trempé et pour le matériel c'est pas très bon non plus. Là ça pleut énormément. Bel arc-en-ciel, hein. Comme on dit après la pluie, le beau temps. Je reviens tout le temps sur le même site où j'étais hier soir. Je retrouve le groupe de chevreuils que j'avais laissé. Ils sont un peu plus apaisés ce soir. Je pense que les approches devraient se faire plus facilement. Un brocard. Là, je vais essayer de me diriger sur un mirador pour pouvoir observer la plaine. Mais je suis devancé. Ça va tomber à l'eau. Parce que si je bouge, ça va être fichu, tout va partir et j'aurai pas le temps de refilmer avant que la nuit tombe. Voilà le mirador où je devais me poster, mettre un petit peu en hauteur pour voir ce qui se passait. Celle-ci, elle m'a repéré. J'ai eu le malheur de bouger un petit peu. Et malgré que ça a une mauvaise vue, le chevreuil, mais ça a un bon odorat. Là, c'est tout simplement un comportement d'intimidation. Elle se pose la question, qu'est-ce que ça peut être? Et une fois qu'elle va avoir décelé l'intrus, et ben c'est terminé, elle s'en va.
un jeune brocard qui rentre au bois. Ah, ça, c'est la joie de l'affût. Des fois, on a des lièvres pas très très loin, hein. Mais cette année, j'en vois pas beaucoup de lièvres. Je vais changer de place. Et voilà. Des jeunes chevreuils avec un brocard qui est en train de s'amuser. Ça joue beaucoup. C'est adorable à voir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. À bientôt.